bien, yo tout le monde, c'est Wolfgang, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le défi No Life Challenge en compagnie de Suricat. Salut à toi. Salut, ça va bien? Ah ça va et toi? Tranquille? Oui, très bien. Ok, donc aujourd'hui pour ce défi, on va, donc on a pris un deck, donc voilà, donc avec bûche, bûche, zap, enfin vous voyez, je vais pas tout vous dire, ça sert à rien. Et donc, ouais, bah, que des sorts, ouais, exactement, composé uniquement de sorts. Et je pense que vous connaissez un peu le but, donc je vais laisser Suricat un peu vous en parler pour qu'il parle, voilà, tout simplement. Bah, l'objectif, en fait, c'est... Faut faire un maximum de dégâts à chaque tour, en fait. Voilà, c'est Mais ça. Faut pas les tuer. C'est exactement. Ça. Donc, voilà, c'est... En gros, vous devez, voilà, comme il a dit, vous mettez les tours, donc... L'objectif suprême, c'est de mettre les tours à 1 PV. Bon, on va, je pense pas qu'on va y arriver, mais au moins on va tenter. Donc vas-y, je t'invite. Voilà, t'as plus qu'à accepter. Toc. Avec cette belle arène légendaire. Oui, magnifique. Toc. Alors. C'est soft. Hein. Ouais. Une petite boule de feu. Ok, ça marche. Bah, moi, je t'agresse, moi. Attends, tu veux jouer à ça, gamin? Oh, le mec, il est chaud et tout. Regarde, attention, la best carte ever. Oh, la bûche. On l'aime bien, cette bûche. Bon, alors, j'ai balancé ça. Tu sais quoi, moi, regarde. Moi, je l'aime tellement, la bûche, que je t'en balance deux. Je joue à ça. T'as les bûches, ce qu'elles ont fait, quoi. Bon, allez, bah, là, ça va. Je te mets des petites aiguilles. Comme on pourrait dire. Hop. Bon. Je sais que on peut, il y en a, ils ont fait des trucs de fou pour mettre les tours à 1 PV, genre ils se sont lancés dans des calculs hyper complexes et tout. Nous, on le fait vraiment à l'arrache. En tout cas, j'ai rien prévu, j'ai pas fait de calcul ni rien. On donc, a fait voilà. Le deck là il y a un instant. C'est ça. Bah, juste avant de commencer la vidéo, on a dit attends, faudrait peut-être qu'on fasse le deck quand même. Donc voilà. Alors la roquette. Ah ouais, la roquette. J'ai même pas joué encore la roquette. Tiens. Alors la roquette, t'as fait combien de dégâts? Ah parce que faut regarder ça aussi, parce que si on, ouais. Si on tue une tour, ben c'est... Et bah perdu. Le défi est perdu quoi. Ok, donc... Ouais. Donc si vous ne le savez pas, vous pouvez regarder le nombre de dégâts que fait le sort en restant appuyé dessus. Donc voilà. Allez, on va balancer une roquette. Ok, donc celle-là, elle fait 553. Ouh. Aïe, 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 aïe. Là, je t'ai mis dans le mal, normalement, avec ça. Allez. Je peux pas, je pense pas pouvoir te descendre plus bas. Boum, 12. Voilà. Bon, je t'ai mis à 12, c'est pas trop mal, ça va. Voilà, impeccable. Bon, là, je peux pas faire mieux. Alors, donc tu peux c'est toi qui as gagné. Tu peux pas faire mieux, ouais. Ouais, globalement, on peut le voir. Donc, ce qu'on va faire,
c'est que je vais calculer rapide avec mon truc. Donc je le fais sous les yeux comme ça, on est clair. Donc on fait... Oula, par contre. Ouais, voilà. Donc 6 plus 12 plus 30, ce qui nous donne 48. Et 53 plus 2 plus 35, ça nous donne 90. Donc une victoire pour moi, bien joué en tout cas. Donc on va, ouais, on va faire une revanche. Et je pense qu'en fait, dès le début, faut pas s'embêter à calculer. Ouais, au début, faut pas, ouais, t'as raison. C'est juste quand t'arrives vers 500, tu dois te dire calme-toi. Ah, j'ai oublié de dire coucou YouTube d'ailleurs, je l'ai rajouté. Tiens, mets-le dans le chat en même temps si tu veux. Toc. Ah, merde, j'ai dévié. Oh, coucou YouTube, voilà. Allez, donc, écoute, quand tu veux, je te remets. Je te mets DD. Voilà. Allez, vas-y, hop, accepte. Ah merde! C'est un autre qui a accepté. Bon, du coup, c'est pas grave, les gars. Je vais juste faire une petite coupure et on se retrouve juste après. Ok, donc, re les amis, désolé. Donc, cette fois-ci, on part à l'attaque. J'ai bien marqué sur I4 pour qu'au moins là, on se trompe pas. Voilà, vas-y, accepte. Ouais. C'est bon. Voilà. Allez, alors, cette fois-ci, voilà, c'est pas douillé. Donc en plus, toi, t'as 4000 trophées. Donc franchement, j'ai eu à toi. Aujourd'hui. Bah, toi, t'es repassé légende aujourd'hui aussi. Ouais, voilà. Donc de jolis exploits, en tout cas, dans notre clan. Donc d'ailleurs, voilà, j'en profite pour faire la petite promotion encore une fois du clan. Donc n'hésitez pas à venir. Là, on a mis, je crois, les trophées à 2000 trophées, je crois. Ouais. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à venir, ça me ferait très plaisir. Enfin là pour l'instant il est 50 sur 50 mais... voilà, on ménage. Je pense que ouais voilà, et on fait toujours un petit tri en fin de mois des inactifs. Donc ouais, voilà. Par contre, on cherche des joueurs actifs. Ouais, exactement, voilà. Si vous venez juste pour faire une partie et parler une fois par semaine, c'est pas la peine. Enfin, voilà, on recherche des joueurs quand même un minimum actifs qui se connectent au moins deux fois par jour, voire trois fois, enfin au moins, et qui parlent quand même assez souvent parce que voilà, pour bien comment dire, pour renforcer la solidarité dans le clan, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est assez important. Parce qu'en fait, là, ça affiche 50 sur 50, mais il n'y a pas vraiment 50 joueurs pour moi dans le clan qui sont vraiment actifs. C'est vrai, sur les 50, il y en a 30 qui sont actifs, et jamais en même temps, si vous voulez, c'est toujours, soit il y en a 4 qui sont actifs, soit il y en a 6, mais c'est jamais les mêmes, en plus de ça, du coup, c'est vrai que c'est embêtant. Ah, ta tour, là, elle commence à être chaud. Ouais, là, ouh, là, est-ce que ça sent pas la boule de feu, là? J'ai des problèmes, je n'ai pas la boule de feu. Moi là je peux te mettre très mal mon gars. Oh la vache, là je vais te mettre mal. Regarde là, regarde bien ta tour. Hop. Boum. Allez, 13. Oh je suis deg mec, j'aurais pu te mettre à un point de vie mais non ça. Ah non, ouais ça... C'est vrai. Mais en fait mon zap il fait 68 ouais. Et mes flèches font 98. Oh putain deg. Et c'est à quelques points près. Ah. Ah c'est dommage. Je balance foudre, hop. Aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle arène. Donc, je sais même plus son nom. C'est quoi son nom, déjà? L'arène de jungle, enfin, je sais pas. Ouais, bon, on va l'appeler l'arène de la jungle, tout simplement. Et ouais, franchement, je la trouve pas mal. Après, ce qu'on a remarqué avec Suricat et plein d'autres joueurs du clan, ouais, c'est qu'ils ont pas changé les bruitages de l'arène. Enfin, c'est les mêmes bruitages que l'arène 8, du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage, on l'a trouvé, mais bon, tant pis. Hein. Et aussi, quand c'est extra time, par contre, ça, c'est un truc. C'est bien, mais je vois pas trop l'intérêt non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et là, regarde bien ta tour, mon gars. Parce que là, ça va douiller. Hop. Deux points de vie. Là, c'est bien pour moi. Alors, hop, je balance foudre. Toc. Impeccable. Et okay. Moi, je suis en retard par rapport à toi, là. C'est vrai. Enfin, c'est pas grave, hein, de toute façon. Le tour d'avant, toi, j'étais en retard. Enfin, bon, après, ça dépend comment tu gères tes sorts. Tu vois, si plus tu balances des roquettes, ça met plus de temps. Du coup, voilà. Alors là, je suis à combien? Je te mets à combien? Ouh! Alors attends, là, je vais jouer un tour dans le vide parce qu'il faut que je vérifie un truc. Absolument.
Alors, tu as... Ah ouais, non, en fait, je crois qu'il faut que je fasse ça. Alors là, tu vas peut-être me dire, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Où j'étais fait, tout à l'heure, donc. Là, j'ai... Oh ouais, attends. Ah non, en fait, j'ai trop de seum si ça ne marche pas. Non, c'est trop risqué. Je pense pas que ça pourra marcher, du coup, j'ai plutôt balancé ça. J'ai balancé ça. Voilà. Oula. Non, c'est ça. Oh, non, faut pas que ça me tue. Faut pas que ça me tue. Si ça tue, j'ai perdu. Oh, oh non. Ah, oh, j'ai mal calculé mon coup. Bon, bah, RT. Putain, j'ai totalement foiré sur ce coup. Ah, je suis deg. J'aurais pas dû balancer mon foudre. J'aurais juste dû balancer une bûche. Enfin, des flèches. T'as l'impression, mais... Ah, RT. Bon, bah, écoute... du coup bah ça... Oh là, je suis déçu mec. Bon c'est pas grave, bon. Du coup on va faire une dernière game. Donc ça va être la game du coup, qui nous départage tout simplement. Donc je t'invite encore une dernière fois. Écris bien sur la case, hein. On sait jamais. Ouais, t'inquiète, je mets un gros toc. Voilà. Oh putain non. Je suis trop déçu mec. Franchement je suis trop déçu. Alors... Même moi je suis déçu pour toi parce que c'est bête de finir comme ça quoi. Ah mais ouais putain. Ah j'ai fait le con là. Bon c'est pas grave. Hop. Ah ouais le mec il commence avec une roquette directe. Pas de temps. Tu as commencé avec un foudre. Ouais j'avoue j'étais violent aussi. Alors en fait ce que je te parlais tout à l'heure, c'est j'ai vu sur internet. Ouais. Peut-être intéressé. Alors je pense moi que c'est faux. A priori il y aurait une nouvelle carte, le technicien. Ouais, et elle fait quoi? Et en fait, plus elle résiste, d'après ce que j'ai compris, parce que c'était anglais, plus elle résiste sur le terrain, plus sa machine, parce qu'elle est autour d'une espèce de machine, une catapulte, ouais, grandit. D'accord. Ça me paraît vraiment bizarre. Enfin, c'est pas du tout dans le thème de Clash Royale. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Alors, en tout cas, ça serait innovant, parce que c'est vrai qu'on n'aurait jamais vu ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez étrange quand même. Après voilà, pourquoi pas, ça pourrait être un nouveau concept, on sait ouais, pas. Hein. Mais bon. Enfin moi je trouve que c'est trop bizarre pour être dans Clash Royale. C'est vrai qu'il y a un ouais. Thème pour Supercell. Mais... Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est. Mais c'est comme c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, le design de l'électro sorcier là. C'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais je trouve que le design de l'électro-sorcier et de la carte en elle-même est très... Enfin, c'est pas, ça ressemble pas à Clash Royale. On dirait que c'est un truc en fait en pâte à modeler à moitié. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'aime pas du tout, perso. Mec, mes flèches, elles font 98 dégâts. Ah, oh, RT. Mais ton zap, il fait pas à moi. Si, mais attends, j'ai une idée. Oh non! Oh bah je crois que je suis mort là. Je crois que je peux pas faire moins pour la tour principale. Ah, deg! Là c'est la tristesse. Ouais, là je suis à 68 pour la tour. Donc je peux rien faire d'autre. Donc j'attends de voir. Donc c'est. Normalement là tu peux pas me faire plus non plus, je pense. Non. Ok. Alors, on va voir. Donc je calcule. Donc bah là c'est le combat. Enfin, c'est le résultat qui va nous dire qui a gagné ce défi. Donc 16 plus 54 plus 5, ça nous fait 75. Et moi,
5, donc 75 pour moi, et toi 5 plus 19 plus 18. Ça nous fait... Ah oui, 42. D'accord, il y a quand même une grosse 42, différence. Là, tout ça, universel. Donc, ça veut dire que bah, tu m'as littéralement explosé. Donc, écoute, bien joué. Je te laisse me terminer avec la carte que tu veux. Termine le beau jeu, hein. Ouais. Ouais, super. Très beau jeu, en effet. Hein. La fameuse roquette. Bon, bah voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà. Dites-nous aussi si vous aimeriez revoir Suri 4 dans une autre vidéo, voilà, parce que parce qu'on l'aime bien, voilà, lol. On aime bien, moi. Donc voilà, et aussi voilà, donc je précise que Suri 4 c'est quand même le premier du clan, il est niveau 11, voilà, avec 4002 trophées qu'il a eu aujourd'hui, ouais. Comme on le répète. Donc voilà, donc en tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez oui, pas. Important. Ouais. Très important. Là, je pose bleu, comme dirait un grand homme célèbre et connu. Là, je pose bleu. MDR. Regarde. Voilà. Et partagez la vidéo. Et puis, voilà. Et puis, tout simplement... Abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous. Enfin, on l'a oublié. On l'a oublié, le abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, les gars. À plus pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao.